A working class hero is something to be. J'ai fait la connaissance de ce type. Il m'a demandé si j'avais lu Das Kapital. Das quoi? Je lui dis. C'est sur l'oppression des travailleurs, il me dit. Non, je l'avais pas lu. Lis-le, il me dit. D'accord, je m'y mets. Je comprends la première ligne, puis la deuxième. La troisième, j'hésite. Mais je continue. Je saute la quatrième. Je reconnais des mots bizarres dont je ne comprends pas le sens. Je saute les deux lignes suivantes. J'abandonne ce paragraphe. Je continue. Je comprends pas. Le deuxième paragraphe, je veux dire. Je tourne la page. Je suis furieux. Je tourne la page et on recommence une autre. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis perdu maintenant. Je suis sacrément furieux. Je suis si sacrément furieux que je jette le livre sur le putain de plancher. Elle ne l'enlève pas. Moi non plus. Il prend des taches de thé sur la couverture. On empile des papiers dessus. Il reste toujours là à me narguer. Je le regarde là, assis au loin. Je me lève. Je le ramasse. Je l'ouvre et je recommence. Je comprends la première ligne, puis la deuxième. La troisième, j'hésite, je continue. La quatrième, putain, je suis ignorant. Je retourne voir ce type. Je peux pas lire Das Kapital, je suis ignorant. Il me tend le manifeste du Parti communiste. Non merci, c'est court, il me dit. Je l'étudierai avec toi. Alors, pendant une demi-heure après le dîner, tous les jours, il étudie avec moi, à la cantine, au milieu de tout ce refus, les mots de Karl Marx.